عالم جديد يناديكم عيش من أجل الناس دائما معهم لألا يحتاجوني ابتسامتهم هي السبب حياتي لذلك أعطيهم وقتي وجهدي كامل مع جراتي بريس نجمة واحد من موف موريتيل اتصل بدون احتساب بفضل العروض الأكثر سخاء مع فرفهه جراتي بلوس نجمه واحد من موف موريتيل تستفيدون من ساعتين من المكالمات و100 رساله نصيه و100 ميجا ادخل نجمه واحد اثنان ثلاثه نجمه رمز تفعيل من 10 الى 100 اوقيه نجمه واحد مربع او قوموا بتفعيل الخدمه مباشره عند باعة الرصيد شرجلي موف موريتيل عالم جديد يناديكم Un monde nouveau vous appelle. Des rencontres, celle entre les responsables mauritaniens et le rapporteur spécial de l'ONU pour les formes contemporaines de l'esclavage. Une visite, celle du ministre de l'Agriculture à Rousseau, une visite d'information, plusieurs réunions avec les autorités administratives, les élus locaux, mais aussi les agriculteurs, bien entendu. Un équipement, celui reçu aujourd'hui par le ministère des Pétrole, des Mines et de l'Énergie, de la part du PUNID pour trois stations de mesures éoliennes. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir. Et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 6 mai 2022. En 22h que nous commençons par une page diplomatique d'abord avec cet entretien téléphonique entre le président de la République, M. Mohamed Oulishek El-Razouani, et son homologue français, Emmanuel Macron, fraîchement réélu pour un second mandat présidentiel. L'entretien s'est déroulé hier, a eu lieu hier, c'est un entretien téléphonique bien entendu il a eu lieu donc hier sur qu'est-ce qui a été dit au cours de cet entretien Mohamed El L'entretien a été l'occasion pour le président de la République de féliciter son homologue français suite à son brillant succès lors des élections présidentielles qui se sont déroulées en France le mois dernier. Les deux hommes ont discuté des relations historiques entre les deux pays et des moyens de les renforcer et ont également discuté de la situation sécuritaire dans la région du Sahel et des moyens de renforcer la sécurité dans cette région pour servir les intérêts de ces peuples. Donc Alors Pour cet entretien téléphonique hier entre le président de la République et son homologue français, la diplomatie, on y reste encore un instant pour parler cette fois donc de la visite à Nouakchott du rapporteur spécial des Nations Unies pour les formes contemporaines. De l'esclavage. Une visite entrée aujourd'hui dans sa troisième journée consécutive, une troisième journée marquée par trois étapes. L'Assemblée nationale, le ministère de la justice et le ministère de l'éducation nationale. Précision sur ces différentes étapes avec Bokar Bailaba. Première étape, le siège de l'Assemblée nationale. Sur place, le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de l'esclavage, Tomoya Obokata, a été reçu par le président de cette Chambre, Chekhoulbaïa. Et au cours de la rencontre, le président de l'Assemblée nationale a présenté le bilan de la mise en œuvre du plan d'action parlementaire portant sur l'exécution des recommandations ici de la feuille de route sur la lutte contre les séquelles de l'esclavage et ses formes contemporaines. Deuxième étape, le siège du ministère de la Justice. Là aussi, le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de l'esclavage a été édifié par le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud, ou le chef Abdallah Ouboya, sur son plan qui repose sur cinq axes fondamentaux qui sont la réforme du cadre juridique et institutionnel, l'application effective de la loi, la formation des acteurs de la justice pénale et la contribution du secteur de la justice dans les activités d'autres d'apportement En réaction, le rapporteur de l'ONU a exprimé sa satisfaction pour les avancées constatées en matière d'élite de ce genre de phénomène. Troisième étape le siège du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Les entretiens entre Mohamed Mal'Aininoun Eyi et le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage Tomoya Obakata ont porté sur les relations de coopération unissant notre pays et cette institution du système des Nations Unies, ainsi que les moyens permettant de le développer et le renforcer davantage. Et au cours de la rencontre, les deux parties ont passé en revue l'approche suivie par la Mauritanie depuis 2019 pour promouvoir l'école républicaine. Trois étapes, donc, aujourd'hui, euh, du reporter spécial des Nations Unies pour les formes contemporaines de l'esclavage, Assemblée nationale, ministère de la justice, ministère de l'éducation nationale. Voilà donc pour cette page diplomatique et après les diplomatiques, eh bien, la politique intérieure a commencé par l'actualité parlementaire ici nous sommes à l'Assemblée nationale ça c'est la conférence des présidents donc de cette chambre qui s'est tenue hier une réunion en présence des ministres de la culture de la jeunesse des sports et des relations avec le parlement et c'était l'occasion donc de prendre connaissance de deux projets de loi qui seront soumis aux députés par le gouvernement, mais également l'occasion de prendre connaissance des questions orales adressées par les élus à certains ministres. Voilà pour cette réunion de la conférence des présidents à de l'Assemblée nationale. C'était hier. Venons-en maintenant aux visites ministérielles pour parler des celles d'information effectuées à Rousseau hier par les ministres de l'Agriculture. Une visite marquée par plusieurs réunions avec les autorités administratives, mais aussi avec les élus locaux et bien entendu avec les agriculteurs. Sur les activités du ministre de l'Agriculture dans la capitale du Trarza, compte rendu de notre correspondant permanent Ahmedou Lindama, compte rendu revu en français par Mohamed Rattat. C'est une visite de plus de contacts et d'informations qu'a effectuée hier à Rousseau le ministre de l'Agriculture, M. Adama Bokar Soko, pour s'enquérir de la réalité du secteur dans cette zone agricole et du déroulement de la présente campagne agricole. Le ministre a entamé sa visite en tenant réunion avec les agriculteurs pour s'informer des difficultés qu'ils rencontrent et leur exprimer sa disponibilité à œuvrer, à les aider, à les surmonter dans le cadre de la concrétisation des instructions du président de la République visant à rapprocher les services des citoyens et trouver des solutions aux problèmes posés pour faire de la campagne agricole de cet été un succès certain, appuyant les efforts du département en vue de réaliser l'autosuffisance alimentaire, réduire la pauvreté et corriger les dysfonctionnements techniques. Le ministre de l'Agriculture a souligné à cette occasion que son département a déployé d'énormes efforts en adoptant un plan stratégique de production pour pallier la pénurie d'approvisionnement en légumes de base, notamment les oignons, les tomates, les patates et autres, passant plusieurs accords de partenariat avec des acteurs privés dont nous récoltons, dit-il, aujourd'hui les fruits. Il a précisé que, dans le souci de continuer à approvisionner le marché local de façon permanente en produits maraîchers locaux, le département entend prendre des mesures qui auront un grand impact sur la réalisation d'un véritable bon en avant agricole en encourageant la production des légumes les plus demandés sur le marché et qui provenaient essentiellement de l'étranger. Les dispositions ont été prises pour fournir les engrais et les intrants agricoles nécessaires. Pour sa part, le président de la Fédération nationale des agriculteurs, M. Dia Adama Omar, a fait une présentation dans laquelle il est revenu sur les problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les agriculteurs, tels que la propagation des oiseaux ravageurs, la fourniture d'engrais, le déficit en eau pour irriguer les périmètres, appelant à la fourniture d'un temps agricole avant le lancement des campagnes agricoles et surtout de protéger la production locale nationale de la concurrence étrangère. La réunion a été marquée par des interventions des agriculteurs qui ont passé en revue les différents problèmes et difficultés posés, appréciant au passage la rapidité de réponse du département et appelant à plus d'efforts, notamment dans le domaine de la lutte contre les oiseaux ravageurs. Il est à noter que le ministre s'est également réuni avec les autorités administratives et les élus locaux pour les informer des objectifs de sa visite. En vue de développer le secteur agricole, prendre le pouls de la situation et écouter les agriculteurs. S'informer donc sur les principales difficultés, les principaux défis qui se posent aux agriculteurs, donc, c'était l'objectif de cette visite d'information que le ministre de l'Agriculture vient d'effectuer à Rousseau, la capitale du Trarza. Son collègue de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, lui, il est à Nouakchott. On vient de voir tout à l'heure dans le reportage sur les activités des rapporteurs spéciaux de l'ONU sur les formes contemporaines de l'esclavage. Il, il, il a été reçu, ce rapporteur, par les ministres de l'éducation nationale. Mais nous allons nous intéresser à son activité d'hier, puisque hier, il était seul devant la presse pour commenter les travaux du gouvernement, mais également poser et répondre à des questions qui ont été posées et qui n'avaient rien à voir avec les travaux du Conseil des ministres. Compte rendu sur cette conférence, résumé plutôt avec Mélika Naqli. Lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melanin Ouleyi, porte-parole du gouvernement, a commenté les résultats du Conseil des ministres qui s'était déroulé plus tôt dans la matinée. Il a présenté les grandes lignes des textes adoptés par le Conseil, notamment ceux liés à la bonne gouvernance et à la lutte contre l'enrichissement illicite, dont un projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi qu'un décret fixant les modalités d'application de la loi organique relative à la Cour des comptes. Revenant plus en détail sur la Convention de l'Union africaine, le porte-parole a évoqué le préambule du texte, dont l'acte constitutif de l'Union africaine dont l'article 3 demande aux États de coordonner et d'intensifier leur coopération afin de promouvoir les droits de l'homme, de consolider les institutions démocratiques et d'encourager la bonne gouvernance. Pour ce qui est du projet de décret fixant les modalités d'application de la loi organique numéro 2018-032 du 20 juillet 2018 relatif à la Cour des comptes, le ministre a déclaré que le texte permettra de se conformer à l'article 68 de la Constitution mauritanienne, relatifs au contrôle des deniers publics. Pour le ministre, de nouvelles dispositions ont été introduites, dont la plus importante est le fait de donner à la Cour des comptes de l'autorité pour faire des avis motivés. Ainsi, la Cour voit ses pouvoirs renforcés avec ce rôle d'assistance au Parlement et au gouvernement en matière de contrôle de l'exécution des lois de finances. Le porte-parole du gouvernement a répondu à plusieurs questions, dont l'une ayant trait à la visite en Britannie du rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage. À ce propos, le responsable gouvernemental a affirmé que le dossier de l'esclavage est abordé sans aucun tabou, qu'il doit être étudié en toute objectivité. Il a estimé que la politique du gouvernement par rapport à ce phénomène est très claire, précisant que le cadre juridique a été renforcé et que des tribunaux spécifiques aux questions d'esclavage ont été créés. Le ministre a également souligné que les cas rapportés seront traités sans complaisance. Toujours concernant la question de l'esclavage, le ministre a rappelé que parallèlement aux mesures juridiques et légales, d'autres socio-économiques ont été adoptées dans le cadre du programme du président de la République. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que la visite du rapporteur onusien sera l'occasion d'évaluer les actions entreprises par la Mauritanie. Le ministre s'est félicité de cette visite qui, selon lui, va permettre aux responsables onusiens non seulement de rencontrer les autorités, mais aussi tous les acteurs de la société civile. En ce qui concerne les incidents survenus dernièrement, le porte-parole du gouvernement a rappelé que le Premier ministre avait déclaré devant l'Assemblée nationale l'intérêt porté par le gouvernement à la sécurité et aux préoccupations des citoyens qu'ils défendent sur un même pied d'égalité. Voilà donc pour le résumé de cette conférence de presse hebdomadaire. Pour commenter les travaux du Conseil des ministres hier, elle était animée par le porte-parole du gouvernement, point de presse donc. Autre aspect de cette actualité nationale, cet atelier organisé par le ministère de l'élevage, aujourd'hui un workshop, un atelier de lancement des, euh, du projet, un atelier de lancement donc, euh, de lancement de, par la, de la collecte des données et du renforcement des capacités des organisations pastorales un Mauritanie et c'est le secrétaire général du ministère de l'élevage qui a présidé le coup d'envoi de cet atelier précision avec Bocarbaïdeva. L'élevage pastoral est indispensable à la survie des communautés. Il permet de valoriser et d'entretenir des terres autrement inexploitables. D'ailleurs, c'est le centre de l'organisation de cet atelier. En d'autres termes, cette rencontre permettra de mettre en œuvre des mécanismes efficients pour la collecte des données et le renforcement des organisations pastorales. Il y a le vertu des travaux, le conseil technique du ministère de l'élevage a passé en révis les efforts déployés par la Mauritanie pour renforcer la sécurité de l'eau et de l'alimentation dans les zones pastorales et les mesures d'accompagnement prises pour atténuer les effets des chocs androgènes et exogènes. De son côté, le président de l'Organisation pour le développement des zones arides en Mauritanie, Mohamed El Mokhtar Mohamed Ahmed a souligné l'importance de cet atelier, rappelant les efforts déployés par l'organisation dans la vulgarisation des techniques de gestion intégrée des sols et la promotion du développement participatif. Et la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a réitéré son appui constant à la Mauritanie pour le développement du secteur pastoral. En définitive, le système pastoral est dynamique et résilient. Il est l'expression d'une richesse constante d'adaptation à l'évolution des conditions environnementales, climatiques et sociales à tous les niveaux, tant local que régional. Et ça, c'était donc cet atelier de lancement donc, de la collecte des données et de renforcement des capacités des organisations pastorales en Mauritanie, un atelier organisé donc par le ministère de l'Élevage en collaboration avec l'AFAO. Collecte des données, justement, on va en parler avec ce matériel remis aujourd'hui par le PLUD au ministère de l'équipement, plutôt du pétrole, des de mines et de l'énergie, du matériel destiné donc à trois stations de mesure éoliennes. En quoi consiste ce matériel Où sera-t-il installé Élément de réponse avec Abdullah meba ces équipements comprenant des capteurs et instruments de mesure seront implantés dans différentes zones du pays afin de mesurer le potentiel de notre pays dans le cadre de l'énergie éolienne ce qui permettra de rendre l'énergie accessible sur toute l'étendue du territoire national. Ces équipements ont été acquis grâce au concours du programme des Nations Unies pour le développement. Pénurie. Le directeur de l'électricité au ministère du pétrole, des mines et de l'énergie Brahim Abdallah a souligné que ces outils permettront d'avoir une idée à propos de la vitesse du vent pour une période de deux ans, ce qui, dit-il, permettra de s'informer sur les capacités du pays en matière d'énergie éolienne. La remise de ces équipements rentre dans le cadre d'un projet qui va commencer maintenant euh, pour peut-être les cinq prochaines années, parce que c'est trois capteurs que nous avons, trois mâts de mesure que nous avons mis à disposition, qui vont être implantés dans tout le pays et qui vont permettre de mesurer sur deux ans. Quelles sont la puissance, quelle est la puissance du vent? Quel est la, le potentiel que le, le pays a pour pouvoir capitaliser sur le vent qui souffle au niveau, au niveau de tout le territoire, comme vous savez, pour pouvoir euh, générer de l'électricité? Donc, au bout des deux ans, le pays pourra monter sur base de ces données-là un programme euh, basé sur de l'électricité euh, éolienne. Euh, je rappelle que nous sommes déjà en partenariat avec euh, la Direction nationale de l'électricité ici pour également développer l'énergie solaire dans le cadre des mini-réseaux euh, en appui euh, à l'électrification des villages les plus isolés. Ces différents équipements vont être installés dans le cadre de la première phase au niveau de Wadan, aire et Gougizemal. Voilà, donc trois stations éoliennes qui ont reçu aujourd'hui du matériel pour, donc dans le cadre des mesures, ce sont des stations des mesures éoliennes, l'une à Wadan d'un pôle de Nord, l'autre à Gogi pour l'est du pays et la troisième à Iro, donc à iuro pour le sud. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec les activités des trois walis. Celui du haut de Charki, celui du Brakna et celui du Thierry Zemmour. Les premiers se trouvent donc à Walata, le second vient de terminer une tournée dans la Muqata'a de Bogué. Alors, sur ces deux, activ sur les deux activités, les activités de ces deux premiers Walis, compte rendu de nos bureaux régionaux, compte rendu condensé en français, présenté bien entendu par Mohamed Khattat. Ici, c'est la visite du Wali du Houd de Sharim, M. Sidi, dans la ville de Walata, où il a tenu une réunion avec les autorités administratives, les notables, les leaders d'opinion et des acteurs de la société civile pour leur présenter les grandes lignes de la stratégie administrative et de développement initiée par le président de la République, M. Mohamed El Al-Khazwani, El insistant sur la nécessaire implication des populations dans la nouvelle orientation visant à jeter les bases d'un développement durable. Le wali, qui était accompagné au cours de cette visite par le vice-président du Conseil régional et le hakem de Walata, a appelé à la conjugaison des efforts de tous pour réussir cette nouvelle approche participative. L'occasion pour le maire de la commune de Walata, M. Besiroulekhna, de saluer cette importance particulière qu'accorde le président de la République à la ville de Walata. Passé ces échanges, le Wali du Khaddeshari s'est rendu au centre de santé de la Mokata, à l'école fondamentale, à la mosquée de la ville, à la prison de Walata et au barrage protégeant la ville des inondations. Là, c'est le Wali du Braknam, Siet Mohamed Mahmoud, qui effectue une visite d'information à Bogué, où il a visité plusieurs infrastructures, notamment le centre hospitalier principal de la Mokataa, dont il s'est enquis des prestations dispensées dans les différents services, avant de se rendre dans les magasins du commissariat à la sécurité alimentaire, où sont vendus à prix subventionnés les aliments de bétail pour les éleveurs. Le Wali a également visité la sonadère où il a pris connaissance de la stratégie adoptée pour alimenter la ville de Bogué en eau potable avant de se rendre au centre d'accueil des populations où sont délivrées les pièces d'État civil. Le Wali du Bracna a par la suite effectué une visite au lycée de formation technique de Bogué, s'informant sur les formations dispensées aux étudiants et visitant certains ateliers. Il a également tenu une réunion avec les élus et les citoyens au cours de laquelle il était question de la participation effective des citoyens au processus de développement. À l'arrondissement de Darl où il s'est rendu, le Wali du Bracna qui a écouté les interventions des citoyens a précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre par les autorités administratives des instructions du président de la république m. mohamed el Khazwani, visant à examiner les conditions de vie des populations et à rapprocher les services publics des citoyens auxquels, a-t-il dit, il faut rendre visite, les écouter et surtout rester à leur chevet. Il convient de noter qu'au cours de ces différentes visites, le Wali du Barakra était accompagné du président du Conseil régional, des autorités administratives et sécuritaires, ainsi que les élus et les chefs de services régionaux. Les activités des Wallis du Brakna et du Haut oh, des Charki. Le premier vient de terminer une tournée dans la Muqataha de Bogué. Le second se trouve actuellement à Walata. Le collègue du thurisme, Zemmour, lui, s'est intéressé aujourd'hui aux opérations d'enregistrement des candidats pour le pérenninage cette année 1443 d'Élégir, de des opérations qui se poursuivent dans de bonnes conditions. Oh, tirer ses amours. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent à la base, c'est Bouba Siré, compte-rendu revu en français par Abdullah de le centre d'accueil des citoyens continue d'accueillir ceux qui sont désireux de s'acquitter du Hajj cette année cette opération qui est actuellement menée par le ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel constitue la première phase dans le cadre de ce processus. Mohamed Oulahmed Eli, directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel autorisé à affirmer qu'ils ont débuté cette opération dans de très bonnes conditions. La filiation, t est très importante et le processus d'enregistrement se passe très bien. Le chef du centre d'accueil des citoyens Kory Wulhamed, a pour sa part indiqué que les candidats doivent se présenter munis d'une pièce d'identification. Ils vont par la suite procéder à l'enregistrement de ces derniers à l'aide d'un système électronique. Si le citoyen, affirme-t-il, doit être accompagné, on enregistre aussi son accompagnant de la même manière au vu de son statut. Il a enfin précisé que depuis hier, ils ont eu à enregistrer environ 100 résidents. Le wali d'Utrizemur, Mohamed El Mokhtar Abdi, s'est rendu au sein des locaux du centre d'accueil des citoyens. Il s'est accompagné du hakem et maire de Zouérad. Il s'est inquiété du déroulement de ce processus. Ceux qui sont venus pour se faire enregistrer n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Ils ont déclaré avoir suivi la Procédure et espère être en mesure de s'acquitter du cinquième pilier de l'islam. Voilà les opérations d'enregistrement des candidats pour le pèlerinage cette année au niveau du Tourisme des opérations qui se poursuivent toujours à l'instar des autres wilayas. Après le religieux, donc le pédagogique avec ces deux ateliers, l'un organisé à Kifa, l'autre à Kaïdi, deux ateliers qui ont en commun qu'ils portent sur le développement des établissements scolaires, des informations de nos correspondants dans ces deux wilaya, informations mises en français par Bokar Baïleba. À Kaïdi, les participants à la rencontre ont été édifiés à travers des présentations sur les mécanismes, à même de développer la performance des établissements d'enseignement. Ainsi, le Wali Moussaïdi Gorgol, Mohamed Mahmoud ou Mohamed El Mokhtar, a rappelé que les pouvoirs publics déploient de grands efforts pour promouvoir l'éducation, appelant les participants à l'atelier à profiter de cette formation. De son côté, le directeur régional de l'éducation nationale, Fali Oud a indiqué que cette formation touche plusieurs responsables d'établissements scolaires de la wilaya, rappelant que cette formation permettra de renforcer les compétences des participants. La ville de Kifa a aussi abrité un atelier similaire. Là aussi, il a été question de mettre l'accent sur la nécessité de développer les établissements scolaires. D'ailleurs, le directeur du cabinet du Wali de la Sabah, Ahmed Bezir de ahmed El-Bouhari, a souligné l'importance de l'atelier qui permettra de renforcer les capacités des participants tout en développant une vision globale qui constitue un cadre de référence pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire. Les autres intervenants ont également souligné l'importance de ces formations dans l'amélioration du niveau du personnel éducatif. Et ça, c'était donc ces deux ateliers de formation organisés et à Kifa et à Kayedi et qui portent tous deux sur le développement des établissements scolaires et les pédagogiques. On y reste encore un instant pour parler de cette sensibilisation, campagne de sensibilisation organisée par l'association des parents d'élèves et d'étudiants au niveau... De l'ADRAR. Sensibilisation autour de quoi C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu revue en français par Abdullah de Cette campagne de sensibilisation vise à mettre l'accent sur l'importance et la nécessité de scolariser les filles. Elle est organisée par l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la ville de l'ADRAR afin de sensibiliser les résidents dans ce cadre. C'est avec la participation de l'organisation Africa 110. Le président de l'association des parents d'élèves et d'étudiants de l'ADRAR a rappelé l'objectif de ce projet, à savoir la scolarisation des filles. Il a aussi souligné que des campagnes de sensibilisation vont être menées au sein des quatre communes de Cévilaï, à savoir Choum, Aïne-Heltaya, Attar et Tawaz. L'adjoint au maire d'Attar a indiqué que ces rencontres rentrent dans le cadre de ce programme financé par l'organisation Africa 70 en collaboration avec la municipalité de cette ville. Il a remercié les acteurs, particulièrement les représentants de cette organisation, pour leur implication dans l'optique de la scolarisation des filles. En outre, des arbres ont été plantés au niveau des écoles dans le cadre de ce projet. C'est sur cette euh, campagne de sensibilisation organisée par l'association des parents d'élèves et d'étudiants au niveau de la DRAR, autour de la nécessité de la scolarisation des filles. Donc, c'est sur cette euh, sensibilisation que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci, bien entendu, aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici nous sommes à l'Assemblée nationale. Première étape donc aujourd'hui du rapporteur spécial de l'ONU pour euh, le, les formes contemporaines de l'esclavage. Ici nous sommes au ministère de la Justice, toujours avec sa rapporteure, C'est la deuxième étape et la troisième étape c'est le ministère de l'Éducation nationale. Ici, nous sommes à Rosso, la capitale du Trarza, où se trouvaient hier les ministres de l'Agriculture dans le cadre d'une visite d'information qui a été marquée par plusieurs réunions avec les autorités administratives, les élus locaux et les agriculteurs. Bien entendu, ici, c'est ce matériel donc destiné à trois stations de mesure éolienne, matériel remis aujourd'hui par le PNUD au ministère des Pétroles, des Mines et... De l'énergie. Voilà, et puis euh, je vous rappelle également les mesures barrières qu'il faut absolument continuer à respecter en plus de la vaccination. Il faut vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas. Vaccination, mesures préventives, voilà la seule arme la plus efficace contre la COVID-19. Ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et comme vous le savez, tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, inshallah, demain à la même heure, 22h, bonsoir.